Salut à tous, TLS à la maison épisode 10. Aujourd'hui, coup de fil au pilote de Formule 1 Pierre Gasly, confiné dans un hôtel à Dubaï. C'est parti. Trois, deux, un, TLS, top départ. Salut Pierre, comment ça va du côté de Dubaï? Ça va très bien physiquement. Je suis resté à Dubaï, donc après le Grand Prix d'Australie qui a été annulé, on devait venir ici avec mon coach avant le Grand Prix du Bahreïn. Et on a un peu vu la situation en Europe se dégrader et on a préféré rester ici, prendre plus de précautions, quoi. Allez, je te fais une petite visite de là où on est avec mon coach. Bon, on a le... Une cuisine derrière avec tout ce qu'on a besoin pour... on essaye de bien manger, là. On essaye de prendre ce confinement pour un peu un stage d'entraînement. Donc, on mange bien, on s'entraîne à fond. Et derrière, donc, on a le salon, ma console. On essaye de s'occuper pendant les journées, de s'amuser comme on peut. On a la chance d'avoir une belle vue. Il fait assez beau tous les jours. Bon, il y a pire que d'être confiné à Dubaï, ça va, hein? Non, c'est sûr. Bah, c'est aussi une raison pour laquelle on est resté, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de cas ici qu'en France et en Italie, donc c'est aussi un peu plus safe. Et c'est pour ça qu'on a préféré rester ici avec mon coach. Et justement, il est où ton coach, ton compagnon de confinement? Voilà, et je lui ai dit tout à l'heure qu'il passe montrer sa tête, mais il est là, on est... Comment tu t'appelles? Pérou. Ça m'appelle Pérou. Donc, non, là, on est prêt. On part à la salle de sport faire notre séance. Et lui, il est prêt, il t'attend, hein. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous laisser. Je vais y aller. Et on va retourner bosser un petit peu. On a notre planning d'entraînement, donc on fait une à deux séances par jour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois que la saison va reprendre, ça va être vraiment ça va être très intense parce qu'ils vont essayer de mettre des grands prix tous les week-ends. On aura moins de temps pour s'entraîner, on aura moins de temps pour récupérer. Et du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment être très affûté avant que ça commence. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire le maximum maintenant. Et comment va le moral, Pierre, puisque la saison de Formule 1 est complètement à l'arrêt. 8 grands prix ont déjà été annulés. Bah, c'est dur, hein, forcément. On se prépare tout l'hiver. J'étais excité. On a vraiment bien fini la saison dernière et j'étais excité de reprendre, surtout là, à quelques heures avant la première séance d'essais libres en Australie. On nous apprend que tout est arrêté. C'est sûr qu'aujourd'hui, je manque un peu d'adrénaline et la compétition me manque, quoi. Alors, j'imagine, Pierre, que tu es au courant, évidemment, de cette histoire surréaliste du dirigeant de Red Bull qui voulait contaminer ses pilotes pour les immuniser. Oui, j'ai vu un article passer. Mais toi-même, tu aurais pu être concerné puisque ton écurie AlphaTauri appartient aussi à Red Bull. Oui, exactement. Non, oui, si c'était une des idées, oui, j'aurais eu le droit au stage d'entraînement. Ils appelaient ça Corona Camp. Mais non, il n'y a pas eu de tout ça. Et pendant le confinement, Pierre, c'est quoi ton petit plaisir du moment? Bah, je dirais c'est de jouer à la console parce que ça m'arrivait plus trop souvent. Bah oui, mais attends, venez acheter, on va acheter. Par contre, on n'a pas de shield. Hein. Ouais, mais c'est 5 000, je crois, la caisse. Et puis après, c'est aussi ça me donne le temps de pour appeler des amis, de prendre un peu plus de temps pour soi-même parce que c'est vrai que d'habitude on est toujours dans un avion, dans un taxi, à l'hôtel, à courir à droite, à gauche. Et là, j'ai un peu plus de temps pour appeler ma famille. J'ai 4 frères, donc
J'ai un peu plus de temps pour chacun, mes amis. Donc un grand merci au personnel médical, c'est ce que tu voulais dire. Exactement, avec le hashtag Stay Home, un grand merci à toutes ces personnes-là et un grand merci à toutes les personnes qui sont strictes et restent chez eux pour que la vie reprenne son cours. Un grand merci Pierre d'avoir été avec nous dans TLS depuis Dubaï aujourd'hui. Ben, merci à vous. Et nous on se retrouve demain pour un autre TLS sur la plateforme France.tv et sur tous les réseaux sociaux France TV Sport. Ciao. Ciao.